Rollisteam. Donc Rollisteam, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel libre qui permet de faire des parties de jeux de rôle. Donc, on va espérer que la présentation tienne la route, quoi. Donc là, vous avez un screenshot, si ça veut bien apparaître. Et voilà, donc du coup, c'est l'interface classique. Je reviendrai un peu plus en détail sur les fonctionnalités du logiciel plus tard. Mais donc, Rollisteam permet de faire des parties de jeux de rôle à distance. Et ce que vous allez vous demander, c'est qu'est-ce que le jeu de rôle? N'est-ce pas? Donc le jeu de rôle, c'est quoi? C'est, je vous ai mis la définition de Wikipédia, donc c'est une activité d'un jeu de société où les gens se réunissent pour interpréter des personnages, et ces personnages vivent une histoire, et cette histoire, elle est contrainte par des règles qu'ils se sont eux-mêmes imposées. Voilà. Donc la définition, c'est bien, mais peut-être que ce qu'il vous faut, c'est une démonstration. Donc vous allez imaginer, enfin, on va tous imaginer. Vous êtes dans le métro, vous rentrez d'une soirée, vous êtes un peu fatigué, vous somnolez un petit peu, puis tout d'un coup, le métro freine fortement, vous êtes secoué, il y a pas mal de gens qui gueulent. Et donc vous vous redressez une fois que la rame est arrêtée, vous reprenez un petit peu conscience, et puis vous entendez que le micro du conducteur est ouvert. Et vous ressentez une première vibration, puis une deuxième, et encore une troisième, comme si quelque chose approchait. Et donc, je vais vous laisser un peu réfléchir à qu'est-ce que vous allez faire maintenant dans cette situation. Donc, il y a plein d'idées qui doivent fuser dans vos têtes. Et donc, maintenant, ce que je vais vous demander de faire, c'est, au lieu de vous projeter dans cette scène, essayez de projeter le fait que bah, vous êtes une commando de marine, un médecin ou un Terminator reprogrammé venu du futur. Et donc, la nature de votre personnage va peut-être définir les actions que vous allez faire dans cette situation-là. Voilà. Donc ça, c'était une petite démonstration. Maintenant, comment ça se passe une vraie partie de jeu de rôle, on va dire? Donc c'est principalement un groupe de personnes qui se réunissent autour d'une table pour discuter. Et parfois, ils utilisent des dés, parfois ils utilisent des figurines, parfois ils utilisent des plans, etc., etc. Voilà. Donc on a fini un petit peu la définition du jeu de rôle. Maintenant, le jeu de rôle, on va dire autour d'une table, a quelques contraintes, et donc je vais les expliquer. Donc les contraintes principales, bah, la première c'est la géographique, c'est qu'il faut que les personnes se réunissent en un seul point. Donc ça provoque bah, un temps de trajet ça provoque donc un temps de trajet, et il faut surtout aussi que bah, les personnes avec qui vous jouez sont dans votre environnement, donc probablement dans la même ville ou le même département, enfin voilà. Donc ça limite un peu le scope. Et donc la contrainte géographique emmène la contrainte temps, ce qui fait que bah, si vous avez 2 heures de trajet pour, enfin 1 heure aller, 1 heure retour pour aller à votre partie, et que vous devez jouer 3 heures, le ratio n'est pas énorme. Et donc du coup, vous allez peut-être favoriser des parties plus longues, avec des fréquences moins importantes, donc une partie par mois, mais où vous allez prendre 5-6 heures de jeu pour optimiser un petit peu tout ça. Et donc le jeu de rôle rentre un peu en conflit avec le boulot, la vie de famille et les autres activités que vous pouvez avoir. Et donc la dernière contrainte, elle est matérielle. Elle est matérielle parce qu'il faut, quand on se réunit, bah, on a parfois besoin de matos, donc les dés, des bouquins, un tableau blanc. Des Velléda, voilà. C'est pas obligatoire, mais ça peut en faire partie, quoi. Voilà. Maintenant qu'on a vu les contraintes, l'idée est d'expliquer un petit peu en quoi l'outil informatique peut contrer ces contraintes-là ou les réduire. Donc la première, c'est que bah, le temps et le coût de transport sont nuls. Donc du coup, le ratio est de 1 quand vous faites une partie de jeu de rôle. Comme on élimine la consommation de temps extérieur à la partie, ça permet de créer d'optimiser, on va dire, son temps et de profiter pleinement de la partie. Et donc ça encourage les usages de parties plus fréquentes, peut-être plus courtes, mais plus souvent. Voilà. Ensuite, l'autre problématique, enfin, l'autre apport de l'informatique, c'est que la zone de recrutement des joueurs est plus grande. Donc vous pouvez jouer avec des gens de partout sur la planète.
modulo le problème de décalage horaire, mais voilà, si vous avez des amis qui font un stage aux États-Unis ou ailleurs, vous pouvez toujours continuer votre campagne en ligne. Voilà. Et en plus, ça permet, avec une zone de recrutement grande, bah, vous pouvez trouver des joueurs qui sont intéressés par les mêmes jeux que vous. Alors que peut-être que le club de jeux de rôle d'à côté de chez vous, bah, les joueurs ne seront peut-être pas intéressés par tester des jeux très très spécifiques, quoi, qui vous donnent envie. Hop. Ensuite, le troisième apport, c'est bah, évidemment l'abstraction des règles. L'informatique, c'est quand même pas mal pour faire des calculs, tout simplement. Et donc, il y a pas mal de jeux qui nécessitent bah, de faire des calculs de dés, etc. Donc, c'est rien de très dur en soi, mais ça peut prendre du temps sur une partie. Et donc, bah, l'informatique peut simplifier ça, et donc, ça permet de consacrer plus de temps sur l'histoire vraiment du jeu. Et oui. Donc le grand problème c'est des jeux où tu dois passer, où tu informatises la résolution des calculs, c'est que le temps d'entrée des données de l'input est oui. Finalement parfois plus grand que la résolution du calcul à la main, parce que les inputs les joueurs les ont en tête. Alors que la machine n'a pas la moindre idée de quoi tu parles. Enfin, tu peux mettre une partie dans la base de données. Mais tu as beaucoup de trucs, de situations qui sont. Surtout pour un truc comme le jeu de rôle où c'est très volatile, quoi. Mm. Des trucs qui sont. Dépendant de la situation immédiate, il faut tout rentrer. Il faut rentrer en plus dans un format compréhensible par la machine et tout ça. C'est pas... Alors je pensais pas forcément à gérer jusqu'à des mécaniques de jeu et les stats des différentes créatures, etc. Je pensais tout simplement au calcul de jet de dés. Compter sur un jet de dés le nombre de succès et avoir la valeur de la somme de 10 dés, un ordinateur il sait faire ça facilement. Il n'y a pas besoin de rentrer beaucoup de données en avance pour faire ça. Après, ce dont tu parles, c'est vraiment un autre problème et ça ne concerne pas encore ça. Mais effectivement, c'est quelque chose qui existe et ça demande un temps de préparation important à plusieurs personnes, quoi. Voilà. Et ensuite, le dernier avantage, c'est qu'on peut jouer en pyjama. Et ça, c'est super cool de pouvoir jouer des parties de jeux de rôle en pyjama. Alors derrière la petite blague, il y a quand même une leçon à tirer, c'est que ça permet de vraiment, comme je le dis, favoriser l'usage de la partie. Donc on peut jouer le dimanche matin, on peut jouer à des heures où on n'a pas forcément l'habitude de jouer, on peut jouer quand son gosse est malade et qu'on doit rester à la maison, etc., etc. Voilà, donc ça favorise vraiment le jeu et ça permet de jouer très très régulièrement. Donc maintenant qu'on a vu les avantages de l'informatique, maintenant il faut peut-être lister les fonctionnalités nécessaires pour remplir ces avantages. Marche. Ouais. Donc, la première fonctionnalité, c'est la messagerie instantanée. Donc, Rollisteam permet de gérer donc, cette messagerie instantanée. Donc là, vous avez sur le screenshot ben, les trois éléments importants de la messagerie dans Rollisteam. Alors, je suis désolé, je pensais pas que ça apparaîtrait si moche sur le rétroprojecteur. Mais vous avez donc la boîte de dialogue qui permet de créer un nouveau chat. Vous avez la fenêtre de chat classique. Et en dernier, vous avez... la liste des chats ouverts par défaut, Rollisteam crée un chat commun avec tout le monde connecté et un chat en point à point vers chacun des autres joueurs. Et vous pouvez en créer d'autres. Évidemment, par souci pour le côté pratique, beaucoup de joueurs utilisent en parallèle de Rollisteam le logiciel de conversation audio, type Mumble ou TS, enfin TeamSpeak, ou même Skype. Et voilà, donc ça permet d'aller plus vite, mais la messagerie reste importante pour. Envoyer des petits messages secrets, etc. Donc c'est quand même une fonctionnalité importante, même si on a l'audio à côté. Ensuite, le lancer de dés. Alors, le lancer de dés, j'y reviendrai un petit peu plus tard dans la présentation, beaucoup plus en détail. Mais dans Rollisteam, pour lancer des dés, c'est via la fenêtre de chat. Et donc vous avez à côté, là, l'onglet qui permet de saisir les préférences et les règles d'alias de dés. Voilà. Donc en gros, tout le système de dés se gère par ces deux éléments-là, pour les lancer et pour créer des petits alias. Ensuite, le système de notes. Donc c'est assez classique, hein, c'est un bête éditeur de texte qui fournit l'export des notes que vous avez en PDF, en ODT, en ce que vous voulez, en HTML. Voilà, donc c'est assez simple et ça permet aux utilisateurs de noter et de,
de leur partie, de conserver des informations, des indices, etc. etc. Après, l'autre grosse fonctionnalité, c'est le dessin. Donc, Rollisteam propose des fonctionnalités de dessin assez simples pour faire plutôt des schémas. Donc, vous n'attendez pas à faire une œuvre d'art avec, hein. C'est pas forcément fait pour. Mais le gros bonus, c'est que ce plan est partagé. On peut le montrer à tout le monde. Donc, quand vous êtes en partie et que vous avez besoin d'un plan pour un peu mieux voir la situation, pour faire un plan tactique, etc., on peut vite fait faire un petit schéma, vous positionner avec les petits tokens de personnages, et comme ça, vous avez une vision assez simple et précise de la situation. La grosse autre fonctionnalité qu'il y a avec ça, c'est qu'on peut mettre un brouillard de guerre, et donc révéler petit à petit le plan en fonction de l'avancée de vos personnages. Et pour les gens qui sont doués en graphisme, on peut toujours importer un plan qui a été fait par un outil un peu plus puissant, type GIMP, Photoshop, etc. Et en plus, ajouter sur ce plan-là les tokens de personnages et retrouver le côté tactique, quoi. Et avec le brouillard de guerre aussi par-dessus. Voilà. L'autre fonctionnalité, c'est le partage d'images, tout simplement. C'est parfois plus important, plus simple de poster une image et que tout le monde voit pour avoir la description de ce qu'on regarde ou ce qu'on a devant soi. Pour avoir un paysage, un personnage, etc. Donc Rollisteam fournit en plus évidemment des fonctions de zoom classiques qu'on retrouve sur des images. Voilà. Ensuite, la musique d'ambiance. Donc Rollisteam permet de synchroniser la lecture de musique entre tous les utilisateurs d'une même partie. Voilà. J'en reviendrai aussi en détail un peu plus tard dans la présentation. Voilà, et donc maintenant qu'on a fait les fonctionnalités, on va voir un petit peu l'histoire du logiciel et comment tout ça a commencé. Donc au tout début, en 2009, existait un logiciel qui s'appelle Rollistic, qui est un logiciel libre et qui a été développé par Romain Campioni. Mais ce logiciel fonctionnait sous Windows et macOS, et un utilisateur de ce logiciel voulait le faire fonctionner sous Linux. Et donc il a posté un message sur le forum d'Ubuntu francophone. Et donc du coup, les premières réponses qu'il a reçues, c'était de l'aider pour faire fonctionner Rollisteam sous Wine. Puis d'autres personnes lui ont dit que comme le logiciel était écrit en C++, il était probablement compilable sous Linux. Et c'est à ce moment-là que je suis arrivé dans la conversation, donc j'ai récupéré le code source. J'ai commencé à travailler dessus, et petit à petit, j'ai fourni une première version du code qui était compilable sous Linux, et donc j'ai dépanné les utilisateurs. J'ai reçu pas mal de petites demandes pour compléter ce dépannage, et au fur et à mesure, le projet a atteint une taille quand même assez raisonnable. Et comme le propriétaire de Rollisteam n'avait plus le temps de travailler dessus, etc., j'ai dû forquer le logiciel, et donc j'ai créé Rollisteam. Et maintenant, on va voir un petit peu les gros axes de développement qu'il y a eu entre Rollisteam et Rollisteam. Voilà. Donc, le premier constat que j'ai fait quand j'ai commencé à travailler sur Rollisteam, c'est que le code hérité était quand même assez mal architecturé. Mal architecturé sur deux niveaux. Le premier, c'était que tous les fichiers étaient dans un même endroit, même dossier, sans hiérarchie, sans explication ni rien. Et le deuxième, c'était qu'il n'y avait pas forcément de conception propre dans le logiciel. Il y avait du code dupliqué partout. C'était assez un nœud de spaghetti assez compliqué à déchiffrer. Et donc, pour illustrer mon propos, je vais me servir d'un exemple d'une fonction qui, dans Rollisteam, permet de fermer un plan ou une image. Donc, quand l'utilisateur fait « je veux fermer ce plan-là », ce que fait le logiciel, c'est qu'il regarde l'élément courant, il vérifie que c'est une image ou un plan, et si c'est bien le cas, il récupère l'identifiant, il supprime cette image ou ce plan, et il envoie sur le réseau l'ordre de fermer ce plan à tout le monde. Voilà l'algorithme simple de la méthode qui me sert d'exemple. Donc la première version, là vous avez comment Rollisteam récupère son identifiant. Donc vous voyez que selon qu'on a une image ou selon qu'on a une carte, la méthode appelée n'est pas la même. Je passe sur le cast fait comme ça, vite fait, et puis le non-contrôle de la présence de la carte. Mais voilà. Et donc du coup, clairement, les deux éléments ont une espèce de tronc commun, qui possède un identifiant.
Et donc, pour corriger ce problème-là, dans Holisteam, j'ai fait en sorte que la fenêtre de carte et la fenêtre d'image héritent de ce que j'ai appelé le Media Container. Et donc, maintenant, pour récupérer l'identifiant, il suffit de faire le Get Media ID. Voilà. Encore un exemple encore plus frappant sur comment est architecturé le code de Holistic. Voilà, ça, ces deux éléments de code font exactement la même chose. C'est qu'ils envoient un message sur le réseau. La catégorie du message, c'est map, donc c'est plan. L'action, c'est fermer le plan. Et on passe l'identifiant en paramètre. Donc voilà. Pour info, la méthode complète dans Holistic fait 120 lignes. La méthode actuelle dans Holistic en fait 20. Alors, donc vous voyez que l'apport de programmation orientée objet et la structuration du code a permis de drastiquement réduire la taille de certaines méthodes, quoi. Et donc, vous en conviendrez tous avec moi que la programmation orientée objet, c'est quand même un peu la classe. Voilà. Ensuite, les autres axes de développement, donc l'incompatibilité avec Linux. Donc ça, c'était incompatible pour deux raisons. Principalement pour le système de build qui était dédié à un IDE sous Windows. Et le deuxième élément, c'était qu'il y avait du code spécifique pour les plateformes, donc du code spécifique pour Mac et pour Windows, et pas du tout pour Linux. Donc il a fallu virer tout ça et apporter le support Linux, tout simplement. Ensuite, donc FMod. FMod est une librairie multiplateforme qui permet de faire de la lecture audio. Jusque-là, rien de méchant, sauf qu'elle est propriétaire. Et sa licence n'est pas compatible avec la GPL. Donc, avec Holisteam, je me suis fait un plaisir de la dégager. D'autant qu'en plus, dans la version utilisée par Holistic, est une très vieille version et que sous Linux, elle n'est pas disponible en 64 bits. Voilà. Donc ça va poser pas mal de problèmes pour des utilisateurs au début de Holisteam qui voulaient compiler le soft en 64 bits. Donc voilà, ça a contraint à la remise à plat complète de l'audio pour changer tous les composants qui étaient utilisés pour lire les fichiers musicaux. Ensuite, alors quand je dis que le code source est en français, là aussi ça posait encore deux problèmes. Principalement des problèmes d'affichage et de caractère set quand on compilait le soft sous Linux, parce qu'on se retrouvait avec des chaînes de caractères qui étaient en ISO je sais pas combien de Windows. Là. Et en plus, le code source étant en français, comme j'avais vocation à créer un logiciel qui puisse être modifié par tout le monde, et donc par des développeurs de toute la planète, j'ai commencé un travail de traduction du code source. J'ai aussi mis en place un système pour que le logiciel soit traduisible. Et j'ai pris l'anglais comme référence pour simplifier. Donc voilà. Ensuite, Holistic souffrait de n'avoir aucun standard implémenté. Donc quand je dis standard, c'est les petites méthodes qu'on trouve basiquement sur un programme. Les fichiers récents chargés, le drag and drop, un système de préférence, etc. Voilà, c'est les petites features-là qui sont habituelles et que j'ai dû rajouter. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait un peu le tour des grands axes de développement entre Holistic et Holisteam, je vais vous parler plus précisément de la chronologie de Holisteam. Donc le projet a commencé en 2009, comme je l'ai dit. Très rapidement, donc fin 2009, je sors une version 1 avec des binaires, etc. Puis juste après, je commence le développement de la branche 2.0. Et donc cette branche, c'est un refactoring complet du logiciel, où j'ai viré une grande partie des choses que je trouvais pas mal conçues dans Holisteam. Et donc, j'ai travaillé dessus pendant 3 ans à peu près. Et donc, dans cette période de temps-là, j'ai reçu la contribution de Joseph Boudou, qui a fourni une grosse feature et qui a reworké complètement le système de chat. Et ce qui nous amène à la version 1.5.2. C'est la version importante, puisque c'est à partir de ce moment-là que moi, j'ai commencé à être utilisateur du logiciel. C'est qu'avant, j'étais juste un développeur qui travaillait sur un logiciel libre, et là, je suis devenu utilisateur de ce logiciel. Donc, quelques temps après, est sortie la version 1.6, qui est la version qui marque l'arrêt du développement de la branche 2.0, et c'est le début du merge entre la 2.0 et la branche principale. Donc, j'ai commencé à reprendre le refactoring que j'avais fait dans la 2.0 et à le remettre dans la branche principale.
Voilà. Et juste après ça, j'ai pris la décision de commencer à travailler vraiment pour améliorer et ajouter de nouvelles fonctionnalités. Parce que principalement, ça prenait trop de temps. C'est que je voyais, en fait, ce que j'avais principalement dégagé dans la 2.0, c'était tout le code réseau. Et le refaire aurait pris trop de temps. Et donc j'ai préféré, comme Joseph Boudou, qui a participé donc, à la 1.5, avait fourni quelques outils au niveau du réseau, j'ai décidé de récupérer son travail et de me baser là-dessus pour proposer de nouvelles fonctionnalités, quoi. Et surtout que je voyais que l'écriture allait prendre trop de temps et que ça allait empêcher les sorties régulières et donc casser un peu le rythme de sortie, quoi. Donc après, une fois que la 1.6 est sortie, très rapidement après, je me suis mis à réfléchir à Dice Parser, qui est le système 2D de Rollisteam. Ça m'a permis de me former un peu avec Git au début, parce que j'avais le projet de passer le Rollisteam sous Git à ce moment-là, mais je voulais un peu me familiariser avec. Voilà, donc j'ai développé ça pendant un petit moment. Ensuite, une version majeure, mais qui est la 1.6.1, qui vient corriger pas mal de soucis. Et juste après ça, j'intègre Dice Parser à la branche principale. Je passe le projet sur Rollisteam. Je sors de Google Code, parce que de toute façon, ça allait fermer. En 2015, donc je sors la version 1.7 très rapidement avec donc le Dice Parser comme grosse fonctionnalité et comme gros gain, quoi. Voilà. Et depuis, je travaille sur la nouvelle version, donc la 1.8. Et les dernières semaines, j'ai travaillé mon passage en scène. Voilà. Donc maintenant, on va regarder un peu les usages du logiciel, comment on s'en sert. Donc quand vous démarrez Rollisteam, en fait, ce que vous allez voir, c'est ça. C'est une petite fenêtre qui vous demande de choisir si votre nom, votre couleur, si vous êtes MJ ou joueur, et si vous hébergez la partie ou pas. Voilà. Et donc ça c'est anodin, mais c'est la plus grosse complexité du logiciel. C'est-à-dire que tout développement dans Rollisteam nécessite d'être testé dans les quatre cas de figure MJ client, MJ serveur, joueur client, joueur serveur. Et c'est un cauchemar à développer, quoi. Voilà. Donc on se retrouve avec pas mal de soucis et... Et donc du coup, et en plus, la petite subtilité, c'est qu'évidemment, donc le MJ, donc le maître de jeu, qu'on peut imaginer comme étant on va faire une métaphore sportive, donc c'est l'équivalent de l'arbitre, le terrain, l'équipe adverse, le public, la météo, dans un match de foot, quoi. Voire même la FIFA. Donc c'est quelqu'un de très important dans pas mal de jeux de rôle, donc c'est pas un rôle obligatoire, mais voilà. Et donc il faut lui attribuer des permissions et... voilà, donc c'est quand même quelque chose d'assez important. Une fois que vous faites ça, que vous appuyez sur connexion, le logiciel s'ouvre, vous avez un espace vide et que vous pouvez meubler avec différents médias, etc. Et donc ça peut donner quelque chose comme ça. Donc là, vous avez un exemple avec, avec du brouillard de guerre qui est positionné sur le plan. On va faire un petit tour un peu des encarts. Alors, comment ça marche là? Voilà, donc ça, c'est la zone de notification. Ça permet d'avoir tous les messages, des fichiers chargés, éventuellement des personnes qui se connectent, qui se déconnectent, etc. Ensuite, en dessous, vous avez la liste des chats qui sont ouverts et créés, et que vous pouvez afficher ou cacher à volonté. Vous pouvez en créer des nouveaux pour aller parler à plusieurs personnes à la fois. Encore en dessous, vous avez un arbre qui liste les joueurs, et en dessous, vous avez les personnages qui appartiennent à ces joueurs-là. Hein? Et encore en dessous, vous avez l'outil de musique. Après, donc, de l'autre côté, vous avez donc les outils de dessin et voilà, le reste est assez simple à comprendre, je pense. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu l'usage, on va voir un peu comment ça fonctionne à l'intérieur du dedans. Donc, c'est évidemment une application client-serveur en TCP/IP qui supporte IPv4, IPv6. Donc c'est très important pour de garder ce fonctionnement-là parce que j'ai envie que Rollisteam reste un logiciel qui puisse être lancé par n'importe qui en périphérie du réseau Internet. Voilà. Même si ça ajoute un peu quelques complexités, j'en parlerai un peu plus tard dans la présentation. C'est une application MDI, donc Multi Document Interfaces. C'est quelque chose d'assez vieux, donc c'est typiquement les petites fenêtres qu'on peut placer et mettre où on veut.
Voilà, donc c'est assez ancien, mais ça a l'avantage de permettre aux utilisateurs de vraiment gérer leur affichage comme comme ils veulent. Et s'ils veulent comparer deux images ou etc., ils peuvent le faire, quoi. Et ça a quand même un gain au niveau fonctionnel qui n'est pas anodin. Ensuite, donc c'est une application en C++ Qt, la dernière version est en Qt 5. Et là, vous avez un tableau qui répertorie un peu qui vous donne un peu des stats sur le code. Et donc, c'est 40 millions de codes C++, à peu près. Voilà. Donc, maintenant qu'on a vu un peu le fonctionnement, on va se focaliser un petit peu sur le système 2D, qui est une des grosses fonctionnalités que j'ai écrites et qui est venue dans la dernière version. Donc, c'est un vrai interpréteur de commande, qui est le fruit en fait de tous les cours que j'ai vus de théorie de compilation, etc. Il permet de faire des commandes simples, de jeter des dés et d'attribuer des opérateurs pour effectuer des opérations supplémentaires sur ces lancers de dés. Donc ça peut être trier les résultats, ça peut être sélectionner en fonction les meilleurs soit les plus bas, ça peut être aussi compter le nombre de dés qui colle à une condition. Voilà, ça peut être relancer les dés, enfin une espèce de wild. Tant que le dé a telle valeur, ben je le relance et je fais la somme, etc. etc. Donc l'idée est de faire un outil générique qui soit pas dédié à un jeu, mais qui fournisse des outils génériques pour pouvoir faire une chaîne d'exécution qui permette de répondre à un maximum de jeux, quoi. Et donc c'est un élément qui a été développé à part de Rollisteam et qui donc est utilisable sans Rollisteam. Donc, il a été évidemment conçu pour être intégré dedans. Donc, c'est là que vous le trouverez le mieux intégré. Mais il existe un bot IRC avec et vous pouvez l'installer en ligne de commande. Et voilà. Et vous pouvez aussi l'installer dans vos applications C++ si vous avez envie. Et donc, l'intégration dans Rollisteam est poussée parce que Rollisteam permet de définir des alias. Et donc, ça rend l'usage des commandes de dés très simple. Voilà. Et donc, ça permet aussi d'améliorer un peu sa puissance parce que, enfin. Le système est puissant dans le sens qu'il est capable de gérer des dés qui sont juste impossibles à faire à la main, genre lancer 200 000 dés à 600 000 faces et les trier, Rollisteam sait le faire, quoi. Et facile, quoi. Bon, voilà. Et donc maintenant, on va prendre un petit exemple qui sera plus concret. Donc voilà les lancers. Vous voulez lancer n dés à 10 faces, sachant que les dés à 10 faces ne sont pas de 1 à 10, mais de 0 à 9. Vous voulez garder les m plus bas. Et compter parmi les m ceux qui sont inférieurs ou égaux à p. Voilà, donc vous voyez que l'énoncé est quand même un peu long. Et donc Rollisteam, pour gérer ça, vous pouvez définir cet alias. Donc l'alias s'appelle days parce que le jeu en question s'appelle d-day. Donc voilà, c'est pour faire une référence au jeu. Et donc vous voyez que l'alias a trois paramètres et que la commande derrière en a trois aussi. Donc le premier c'est le nombre de dés qu'on lance, le deuxième c'est le nombre de dés qu'on garde, et le troisième c'est la valeur de seuil inférieur ou égal, quoi. Voilà, tout simplement. Et donc en usage dans Rollisteam, quoi ça ressemble, voilà quoi ça ressemble. Donc vous voyez ici que Rollisteam a gardé les trois plus bas, que le 4 n'a pas été compté parce qu'il ne fait pas partie des trois plus bas. Et voilà. Et donc du coup la commande tapée par l'utilisateur pour lancer son jet de dés est relativement simple, hein, c'est 6D3,4. Sachant qu'on aurait pu encore le simplifier pour mettre qu'un seul dé par exemple, etc. etc. Donc maintenant qu'on a vu le système de dés un peu en détail, on va s'attacher un petit peu aux autres fonctionnalités qui sont venues dans la dernière version. Donc la première, c'est la personnalisation. Beaucoup d'utilisateurs et de joueurs de jeux de rôle aiment avoir un logiciel qui colle un petit peu à l'univers dans lequel ils sont, pour améliorer un petit peu leur immersion. Donc s'ils sont dans un jeu un peu science-fiction, ils vont avoir envie d'une interface qui fait un peu futuriste. Et s'ils sont dans du médiéval fantastique, ils veulent voir une ambiance un peu bois, un peu ancienne, quoi. Et donc j'ai mis en place un système de thèmes assez classique. Donc par défaut, je propose un thème blanc et un thème noir, tout simplement. Rollisteam permet de changer l'image de fond. Pour quelqu'un, un utilisateur un peu avancé, on peut aller très très loin à changer les icônes, etc. etc. Voilà. Ça demande un peu de temps, mais c'est faisable. Ensuite, une fois qu'on a vu le thème, on va parler un peu de l'audio. Donc, quand j'ai refondu le système audio, j'ai ajouté la gestion de trois pistes. Donc, principalement parce que des utilisateurs ont envie d'avoir un fond sonore, un fond musical et une piste avec des petits bruitages.
Et en plus de ça, sur le système audio, j'ai permis la lecture de flux et de fichiers distants. Le problème de l'audio dans RollyStim, c'est que les fichiers ne sont pas transférés. C'est juste de la synchronisation de lecture. Donc il faut que les fichiers soient au préalable disponibles chez tout le monde. Ce qui est un peu contraignant. Et alors je l'ai fait principalement pour des raisons de droit, parce que j'ai peur que si j'autorise le streaming dans RollyStim, RollyStim tombe sous des lois qui sont pas cool. Donc par sécurité, comme je suis pas un expert en droit, j'ai pas développé ça. Mais par contre, je permets maintenant de... vous pouvez poser les fichiers sur un serveur web et puis tout le monde va lire ce serveur web ou votre web radio et ça fait le taf quoi. Voilà. Donc c'est plutôt pratique au niveau gain de fonctionnalité. Donc, on va voir un petit peu maintenant les nouveautés qui vont arriver dans la prochaine version. Donc la première c'est le plan vectoriel. Donc voilà, c'est un nouveau système de plan qui apportera beaucoup plus de fonctionnalités par rapport à celui actuel. Donc là, vous pouvez positionner des images sur le plan, vous pouvez sélectionner tous les éléments, les agrandir, les bouger, voilà, c'est vraiment du vectoriel. Et on retrouve le même fonctionnement qu'avec l'ancien, c'est-à-dire au niveau du brouillard de guerre, ce sera encore même plus performant puisqu'il va y avoir des gestions de lumière, etc. Voilà, voilà, donc ça c'est en cours de développement, c'est pas mal avancé déjà. Ensuite, la fiche de personnage. Donc la fiche de personnage, il faut voir que c'est, donc dans un jeu de rôle, souvent, un personnage est décrit par une fiche avec des statistiques, son score d'intelligence, etc. C'est pas obligatoire, mais ça arrive assez fréquemment. Et donc, la fiche de personnage a deux aspects. Un, c'est une espèce de base de données, de valeurs et de chiffres sur le personnage. Et en plus, ça a un intérêt visuel. C'est une interface, une connexion entre l'utilisateur qui veut avoir un truc simple et pouvoir avoir une fiche de personnage interactive. Voilà. Et donc du coup, pour cette fonctionnalité-là, j'ai décidé d'utiliser donc le langage QML, qui est exactement le même langage utilisé pour faire ma présentation. Voilà. Et donc du coup, là, vous pouvez voir un exemple comme quoi l'utilisateur a lancé core des 10, et donc la valeur de core, c'est 9, et vous voyez qu'il a lancé 9 chiffres, enfin 9 dés. Voilà. Et donc la base de données entre guillemets de la fiche de perso est déjà connectée au système de dés et le système de dés est capable d'aller chercher dans la fiche de perso les infos dont il a besoin. Voilà. Et la dernière fonctionnalité, c'est le générateur de nom et le convertisseur d'unité. Voilà, donc c'est deux petits outils qui sont les deux premiers d'une série d'outils que je pense développer, qui sont des éléments un peu inutiles mais donc indispensables. Et voilà, donc ça permet aux utilisateurs de générer des noms ou de convertir des unités, parce que ça peut être intéressant d'avoir ça. Et c'est vraiment des éléments très réduits et qui n'ont aucun impact sur le réseau. Donc voilà, c'est des petites boîtes fonctionnelles plutôt agréables, quoi. Donc maintenant qu'on a les nouveautés de la prochaine version, on va un petit peu s'attacher voir les nouveautés dans un futur lointain. Donc la première, c'est le serveur dédié. Que je voudrais implémenter, tout simplement parce que c'est un problème assez important, c'est que beaucoup d'utilisateurs n'utilisent pas RollyStim parce qu'ils se trouvent contraints, parce qu'ils n'arrivent pas à ouvrir leur port sur leur machine box. Et c'est embêtant. Et profiter aussi de cette occasion-là pour simplifier l'architecture du logiciel et faire en sorte que quand l'utilisateur lance son serveur, le serveur se lance dans un processus à part et que le client, enfin, l'interface graphique s'y connecte en TCP aussi. Et comme ça, on n'aura qu'un seul moyen d'accès au serveur, ce qui simplifiera les 4 cas d'utilisation qu'on a vu tout à l'heure. Donc en termes de développement, comme tout le monde utilise la même façon pour communiquer avec le serveur, il n'y a plus un utilisateur particulier qui est connecté directement au serveur et qui... voilà. Et donc du coup, tout le monde passe de la même façon et ça sera plus pratique à corriger et à développer. Donc ensuite, le partage de notes. Donc vous avez vu l'exemple d'éditeur de notes dans RollyStim. Je trouve qu'il donne pas beaucoup de gains par rapport à un LibreOffice que vous pouvez avoir à côté de RollyStim ou même un cahier sur votre bureau. Donc l'avantage d'avoir des notes qui peuvent être partagées va permettre, je pense, de que tout le monde d'unir un peu toute la partie et de fournir des notes conséquentes. Après les mind maps, donc c'est une autre façon de noter les éléments d'une partie, c'est sous forme de schéma. Donc là je vous ai mis un petit exemple. Voilà, donc ça c'est une partie de jeu de rôle qui dure à peu près 7 heures.
Et l'avantage du mind map, c'est. Enfin, ce logiciel existe déjà, donc c'est quelque chose que j'ai écrit moi-même. C'est R mind map, donc c'est mind map pour Rollisteam, quoi. Ça n'a pas encore été introduit dans Rollisteam, parce que le soft n'est pas encore prêt et je m'en sers moi, mais voilà, c'est. J'ai prévu de le merger avec Rollisteam au jour. Voilà, donc ensuite la gestion des cartes de jeu, longtemps. Donc beaucoup de jeux de rôle utilisent des jeux de cartes soit en plus ou en remplacement d'un système de dés. Donc voilà, donc ça me semble important de permettre aux utilisateurs qui veulent jouer à ces jeux-là d'utiliser Rollisteam avec quand même. Et en plus, peut-être voir aller plus loin et proposer par cette gestion de cartes de jouer à de la belote, du poker, pourquoi pas quoi. Ensuite, on va voir un petit peu le côté fonctionnement. Donc le premier changement que je voudrais faire sur le fonctionnement, c'est la refonte un peu de l'interface graphique pour gérer des écrans tactiles. Donc ça, c'est vraiment à l'avenir. Hein. Et le support d'écran tactile va me permettre d'augmenter un petit peu mes cibles et donc de viser un portage vers Android et iOS pour viser un développement sur tablette principalement. Voilà. Ensuite, bah, y a la sécurité et le chiffrage. Donc si on crée un serveur dédié, il faudra peut-être mettre une petite attention particulière là-dessus et permettre aux gens de sécuriser tout ça. Et en dernier, bah, j'aimerais bien faire un effort un petit peu sur l'accessibilité. Reviens. Voilà, donc ça permettra d'avoir un plus grand panel d'utilisateurs d'utiliser Rollisteam. Et donc maintenant, on va un petit peu parler des réussites. Donc Rollisteam est un logiciel multiplateforme. Donc c'est toujours quelque chose en progression. Comme je vous l'ai dit, je vise le portage Android et iOS. Mais ça fonctionne. Il fonctionne très bien sur Windows, Linux et macOS. Ensuite, donc c'est un acteur du jeu de rôle à distance. Donc Casus Belli, donc un magazine de jeux de rôle, a fait un article sur le jeu de rôle à distance. Et ils ont cité quatre logiciels, et Rollisteam en faisait partie. Voilà. Ensuite, donc Rollisteam reste simple d'usage. Voilà, quand vous démarrez Rollisteam, bah, vous avez un espace à meubler, donc vous pouvez charger les documents que vous souhaitez, etc. etc. Je pense qu'au bout d'une partie, vous avez déjà l'ensemble de formations qui suffit pour utiliser le logiciel. Complètement. C'est un logiciel qui est hackable, du moins c'est ce que je souhaite mettre en avant. Pas mal d'utilisateurs l'utilisent et pour des usages un peu détournés par rapport à du jeu de rôle. J'ai des gens qui l'ont utilisé pour playtester des jeux de plateau. Donc ils ont dessiné bah, le plateau, ils l'ont chargé dans un plan sur Rollisteam, ils ont pris des jetons et ils ont pu faire leur petit test de jeu. Voilà, il y a d'autres personnes qui l'utilisent pour tout simplement comme logiciel de chat. Voilà, c'est arrivé. Et quoi d'autre ? On peut détourner aussi les plans pour en faire des fiches de personnages un peu particulières, où on peut investir des jetons, des tokens, etc. Voilà, donc il y a même des gens qui utilisent les maps pour faire un tableau d'initiative, par exemple. Voilà, donc c'est vraiment le but de faire des choses génériques qui peuvent être hackables et détournées. Et pourquoi pas un jour utiliser Rollisteam en entreprise pour discuter autour d'un document ou que sais-je, quoi. Voilà. Donc après, le côté qui m'a intéressé moi dans le travail de Rollisteam, c'est le défi technique. Parce que c'est un logiciel assez complet, puisqu'il y a du réseau, il y a de l'interface graphique, de la, on va dire du génie logiciel assez conséquent. Il y a un interpréteur de commandes, voilà. Donc ça touche à pas mal de domaines de l'informatique et du développement. Donc voilà. Et en plus, évidemment, le côté création d'un projet libre me fait toucher aussi à d'autres outils, genre Drupal, etc. Voilà, et donc l'autre réussite, c'est qu'évidemment Rollisteam est un logiciel libre et le restera. Voilà, voilà. Et ensuite, on va un petit peu s'attarder sur les leçons apprises pendant le développement. Donc, première leçon, c'est la gestion de projet. Donc, l'histoire de la branche 2.0 avec le développement un peu long et où j'ai promis à mes utilisateurs que pas mal de fonctionnalités allaient arriver, mais qu'au final, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux et que j'ai perdu pas mal de temps. Voilà, c'est un petit peu un regret, mais au final, maintenant, ça commence à payer puisque les plans vectoriels sont du boulot que j'avais fait sur la branche 2.0 et que j'ai mergé dedans et où j'ai gagné pas mal de temps du coup à le faire. Ensuite, l'internationalisation. Donc, la dernière version de Rollisteam est sortie traduite en 7 langues, mais la documentation du soft n'a pas été faite, pas été traduite par les traducteurs, c'était que le soft lui-même. Voilà, donc c'est un petit peu compliqué à mettre en place et. D'autant qu'en France, il a une certaine notoriété, le logiciel,
mais ils peinent un peu à aller plus loin. Donc voilà, tout est prêt, on va dire, mais il me manque une petite étincelle. Ensuite, les contributions. Donc, pour la contribution de la refonte du système de chat, j'étais, moi, concentré dans la réécriture de la 2.0, et j'ai pas forcément vu à quel point la contribution était importante et pouvait me bénéficier. Donc du coup, j'ai peut-être comment dire, mal géré cet aspect-là. Et pareil, j'ai eu d'autres contributions qui ne respectaient pas la philosophie du soft. Typiquement, un gars m'a envoyé un bout de code pour gérer un jeu particulier au niveau des systèmes 2D. Et c'était avant que DiceParser existe. Et du coup, j'ai accepté sa contribution. Mais moi, dans ma tête, j'avais déjà le système 2D, on va dire, générique. Et voilà. Donc, je l'ai accepté pour pas le démotiver. Mais au final, ça collait pas forcément avec ma vision du soft. Et du coup, quand DiceParser est arrivé, j'ai tout viré, quoi. Et voilà, donc du coup, pour pallier à ça, maintenant, je tiens une roadmap précise qui est accessible par tout le monde. Voilà, et on peut commenter, on peut facilement me contacter pour m'encourager ou autre chose, quoi, ou pour participer. Donc ensuite, le streaming, donc ça, c'est trois fonctionnalités qu'on me demande régulièrement et que j'ai pas encore fait pour certaines raisons. Donc le streaming audio, j'en ai déjà parlé, donc c'est principalement pour des problèmes de droit. Que je veux pas me lancer là-dedans. Le chat vocal ou vidéo, bah, c'est principalement une complexité technique, hein, parce qu'il y a des logiciels qui sont assez conséquents pour faire ça, et je pense qu'il vaut mieux les laisser faire. Après, j'ai pas mal de gens autour du logiciel libre qui me demandent pourquoi ne pas passer à un protocole XMPP. Moi, je suis pas contre, mais j'ai aucune idée du temps que ça me prendrait de le faire, et est-ce qu'à la fin, au bout de 5, 6 mois, 8 mois de développement, je suis sûr d'avoir un truc isofonctionnel parfait, exactement comme je veux. Voilà. Je connais pas assez bien la techno pour être certain de ça, donc voilà, donc je serais pas contre, mais c'est pas une priorité pour moi. Pour la contribution, les gars, je voulais faire un peu spécifique, en quel problème de faire ça sous forme de mode ou Donc, je comprends ta philosophie de faire un truc d'ordre général, mais aussi si tu veux qu'il soit hackable, vu que c'est une préoccupation quand même de beaucoup de gens, de vouloir avoir des trucs spécifiques à un jeu, pourquoi tu ne fais pas un système de plugin ou de mode? J'ai une réponse mode, à ça. C'est que la contribution en question, à l'époque, il n'y a pas de système de plugin, et donc il m'avait fait un gros if. Voilà, si le mec a tapé ça dans sa commande, alors c'est une commande pour mon système à moi. Et donc voilà. Et donc du coup, il y avait déjà un ou deux systèmes qui étaient gérés, et ça faisait une fonction qui faisait, qui était un très compliqué, très complexe, parce que ça faisait un gros if avec 400 lignes de code dedans, quoi. Donc c'était illisible, quoi. Et quand je suis passé au DiceParser, j'ai préféré mettre en avant donc le côté générique, et j'ai tout viré. Maintenant, le côté plugin. Dans la version 2, j'avais commencé à l'écrire. J'avais commencé à le prévoir, mais je préfère d'abord me concentrer sur une version générique, et que si des gens fournir une API peut-être plus tard, ça reste une idée éventuellement effectivement possible, mais pas encore implémentée, quoi. Mais ouais, c'est quelque chose d'envisageable. Et en dernier, donc il y a toujours une confusion entre Rollistic et Rollisteam. Donc je pense que la confusion vient principalement de deux éléments, donc le nom. Donc moi, quand j'ai choisi Rollisteam, j'ai voulu garder une part un peu d'héritage pour clairement signifier que Rollisteam venait de Rollistic, et pour pas faire croire que j'avais fait mon petit logiciel à part et qu'il venait de nulle part, quoi. Voilà, c'était faux. Et l'autre problème, c'est que les interfaces graphiques des deux logiciels sont encore assez, assez proches. Et pour quelqu'un qui ne connaît pas bien les logiciels, il pourra pas forcément faire la différence en un clin d'œil, quoi. Et donc cette confusion, elle a apporté pas mal de légendes urbaines sur les fonctionnalités de Rollistic et de Rollisteam sur des forums et dans les contacts, les conventions que j'ai eues, que j'ai faites. Je me suis retrouvé avec des gens qui m'ont sorti des trucs vraiment n'importe quoi, quoi. Et sans fondement, quoi. Voilà, c'est assez étrange. Et donc pour finir, on va parler un peu du logiciel libre et du monde Rollist. Donc je vois Rollisteam un peu comme une passerelle entre ces deux mondes. C'est d'ailleurs les statuts de l'association qui a été créée autour de Rollisteam, c'est ça, c'est promouvoir le logiciel libre dans le jeu de rôle et inversement, promouvoir le jeu de rôle dans les communautés du libre. Voilà, et donc cette passerelle, elle a, on va dire pour le moment, deux axes de réflexion. Donc la première, c'est le droit, parce que les gens qui pratiquent le jeu de rôle ont des habitudes qui sont clairement très très loin du respect des lois.
tout simplement. C'est très facile pour un rôliste de prêter ses bouquins, de prendre des images sur Internet, de faire jouer en musique. Voilà. Et ils n'ont pas la, comment dire, la réflexion de se dire, ah, mais peut-être qu'il vaudrait mieux que je prenne des musiques de libre de droit, etc. C'est pas quelque chose qui existe. Mais pourtant, ils ont quand même une volonté de partage qui est assez évidente, puisqu'ils se mettent autour d'une table pour raconter une histoire qu'ils vont créer ensemble. Voilà. Et donc, du coup, il y a un petit peu des conflits là-dessus. Et donc, voilà, j'essaye par mes parties et par Holistim d'apporter un peu de travail là-dessus, quoi. Et en dernier, donc, Rollisteam se veut un acteur de la décentralisation d'Internet et un porte-parole de cette chose-là chez les rollistes. C'est pour ça que je souhaite que Rollisteam reste capable de lancer son serveur chez n'importe qui et pouvoir héberger une partie. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Voilà. Et du coup, il me reste à vous dire merci pour m'avoir écouté. Puis j'espère que ça vous a plu, et si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre. Voilà. Bon, désolé, hein, je ne pensais pas que la présentation serait aussi éclatée au niveau du rétroprojecteur. Salut. Oui. Moi, j'ai envie de revenir sur l'outil que tu as fait pour tes jets de dés. Ouais. J'aimerais savoir ce que tu as utilisé comme lib, si tu en as utilisé, et revenir un petit peu sur le langage, parce que j'ai pas bien compris en fait. Enfin, donc le langage que tu proposes en fait. Alors, j'ai pas utilisé d'outils d'analyseur syntaxique, etc. Type IA, CLEC, tout ça, tout ça. J'ai préféré le faire tout à la main, tout simplement parce que j'avais le temps et que j'avais envie, quoi. Donc j'ai utilisé du j'ai le caractère. Est-ce que le caractère appartient à tel ou tel truc, tel champ, etc., etc. Donc voilà, j'ai tout fait en C++ Qt, et c'est quand même un outil qui est, je trouve, je vais m'envoyer des fleurs, mais que je trouve assez bien conçu, dans le sens que ajouter un nouvel opérateur me prend même pas 1 heure, quoi. Voilà, quand quelqu'un me dit, ah ben moi j'ai dans mon jeu, il faut faire telle chose, il faut par exemple, on lance un D4 et un D6, et il faut merger les résultats des deux et prendre le plus grand des deux. Et du coup, moi j'avais déjà l'opérateur prendre le plus grand des deux, mais c'était le plus grand d'un seul même type de dés. Donc on pouvait lancer 2 D6 et prendre le meilleur des deux, mais lancer un D4 et un D6, c'était pas possible. Donc j'ai fait un opérateur merge qui permet de merger les résultats, et après l'opérateur derrière de sélection permet de prendre le meilleur des deux. Et voilà. Et du coup, c'est ça que je trouve assez agréable dans l'outil. Et après, je pense qu'un expert en théorie de compilation aura des choses à redire dessus, clairement. Mais voilà, ça fonctionne et c'est assez puissant, quoi. Voilà. Je vous invite donc à l'installer sur votre machine et vous pouvez lancer Dice espace et lancer des petites commandes. C'est peut-être rigolo. Une autre question? Une autre question? Là. Ouais, donc, je ne sais pas si tu connais le jeu Dread. C'est un jeu minimaliste, enfin, il y a même une partie sur Tabletop. Et il a un concept qui est super sympa, c'est que c'est une tour de Jenga. Et donc il n'y a pratiquement pas de règles, sauf Oui. que quand quelqu'un fait une action qui ne correspond Oui. pas aux habitudes de son personnage, il doit retirer D'accord, une j'en ai entendu pièce. parler, oui, Voilà. Et effectivement. donc si la tour s'effondre, ben, c'est un résultat catastrophique. Normalement, en général, il est muni du jeu. Alors évidemment, ça, c'est pas simulable sur Internet, mais pourquoi je t'en parle? C'est parce que, en fait, il y a plein de mécanismes super sympas qui pourrait remplacer les dés, qui serait à partir du moment où tu es sur ordinateur que tu peux faire, tu vois. Il y a des concepteurs de jeux qui commencent à créer des jeux dédiés à la pratique sur Internet. Et alors je ne les connais pas forcément personnellement, mais c'est effectivement des choses qui sont en train d'arriver. Faut voir que c'est assez nouveau, hein. Je veux dire, le jeu en ligne, donc le Rollisteam existe depuis 2008, mais même peut-être un peu avant. Mais ça a explosé, je pense, l'année dernière en France, en tout cas, par le joueur du grenier qui a fait des vidéos là-dessus. Ça a clairement fait beaucoup de bien à la pratique. Et sur côté États-Unis, etc., et monde anglo-saxon, ça existe depuis quelques années, mais c'est principalement des jeux type donjon où on parcourt une carte et on fait attention à des pièges, on lance des sorts de détection, etc. Et on tape des monstres, quoi. Et effectivement, le côté recherche d'innovation
au niveau technique et gameplay, c'est en cours, c'est en cours quoi. Voilà. Sinon, il y a une question sur Internet. Quelle est la volumétrie qui est capable d'encaisser Rollisteam en termes de nombre de joueurs ou de grosses parties démesurées? Qu'est-ce que c'est capable d'encaisser? Alors, je veux dire, ça dépend énormément de la ligne ADSL ou Internet que vous avez. Derrière une fibre optique, ça peut aller très très bien. Vous pourrez monter, je pense, à 10 joueurs sans trop de soucis. J'ai jamais fait au-delà, hein. ça me semble compliqué pour un MJ de gérer ça. Derrière une ADSL, on joue sans problème à 6-7 personnes. Voilà. Par contre, si la personne qui héberge la partie habite au fin fond de Lyon, là, ça peut être compliqué, quoi. Voilà. Réseau en Lyon, pourtant. Hein? Ils ont du beau réseau avec. Je connais quelqu'un que non. Hein. Malheureusement, il est chez France Télécom et du coup, ça pose pas mal de soucis, quoi. Mais voilà. Et sinon, l'autre question, pourquoi pas avoir choisi le web comme plateforme? Alors, tout simplement, c'est que je suis développeur QT et que j'ai pas envie de faire du web. Voilà, c'est tout bête, c'est que si Rollisteam n'avait pas été en C++, je n'aurais pas travaillé dessus. Voilà. Et donc, mon métier est développeur QT, j'ai des certifications, etc. etc. Donc voilà, c'est des technos que j'apprécie, et c'est tout. Mais effectivement, les concurrents de Rollisteam utilisent du web, ils sont pas libres, mais... Mais voilà, et effectivement, c'est plus simple pour eux parce que la complexité réseau, bah, il n'y en a pas quoi chez eux. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va passer peut-être une dernière et après ouais. On passera au suivant. Du coup, là, si j'ai bien compris, on est sur un système avec un MJ qui s'occupe de tout et ouais. Un ensemble de joueurs. Ça serait possible à terme, par exemple, avec la gestion du serveur séparé du statut de client ou de MJ, d'avoir plusieurs MJ sur une partie Alors, je pense qu'effectivement, le côté un MJ seul qui fixe est une logique qui est un peu dépassée maintenant et qu'il va falloir revoir dans Rollisteam. Donc oui, moi je pensais plutôt faire un rôle qui change, mais effectivement, en avoir plusieurs, ça peut être aussi une possibilité. Ouais. C'est quelque chose d'envisageable. Après, le MJ est le seul, par exemple, à pouvoir créer des cartes, mais les cartes ont une gestion de droits interne qui permet à d'autres utilisateurs de faire tout ce qu'on veut sur la carte, donc de dessiner, etc. etc. Donc il y a quand même... ne pas être MJ ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire sur Rollisteam non plus. Envoyer une image, tout le monde peut le faire, par exemple. Voilà. Donc, je pense que c'est bon. Oui, je pense que... Ben, merci à vous. Donc, conférence suivante, donc ça va être sur l'éolien libre. Comment faire de l'énergie avec du libre, on va commencer dans 2 minutes, je pense.